Les Irisiens en blanc s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de Fédéral 3, une première dans l'histoire du club. Avec 3 essais inscrits, les Plaisirons ont étouffé leurs adversaires de la première à la 80e minute pour l'emporter 25-0. On a su marquer dans les moments forts, on a su être pragmatique, on a su super bien défendre surtout. Sur nos moments faibles, on a été là, on a été présent, on n'a rien lâché aujourd'hui. Tout nous a souri, la chance se sourit aux audacieux, c'est ce qu'on dit toujours, mais c'est vrai que le résultat est là, c'est que on a fait des super actions de jeu. L'une des principales satisfactions de la journée, la défense. Pour la 4e fois de la saison, Plaisir n'a concédé aucun point. On a vraiment mis le cœur à l'ouvrage. En termes d'agressivité, on était vraiment présents, bien organisés. C'est quelque chose qu'on travaille depuis quelques temps. Et je pense que c'est ce qui a payé aujourd'hui. Ouais. Au prochain tour, les Plaisirois affronteront Tours, une équipe que les Yvinois avaient affrontée en Fédéral 2 en 2015. On sait que c'est bien organisé, donc il n'y a même pas à penser au titre. Aujourd'hui, il faut prendre les matchs comme ils viennent. Il faut les jouer. Et on verra ce qui se passe, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Le match contre Tours sera programmé le 11 juin prochain sur terrain neutre. En attendant, Plaisir peut savourer. Le club fait partie des 8 meilleures équipes du championnat sur 160 clubs engagés.